Bonjour la famille, je suis là. Je suis devenue tata à temps complet. C'est trop fort dans moi. C'est fort dans moi le feu sort. Donc vraiment les matinales là, il faut oublier. Vous comprenez donc pourquoi est-ce que je fais des directs quasiment tous les jours. Parce que moi, mes moulins sont grands. Quand je me retrouve tata là à temps complet et le gars a plus moyen, oui, couche le matin, il n'y avait plus rien à manger, il couche le matin. Pendant ça, ma demoiselle en chef ici dormait, l'aîné ici dormait. Heureusement que les mounas ne lui donnent pas le nom. C'est bon? On va au parc ce soir, nous attendons que le soleil. Et l'une mille est venue. Vraiment, il y a des chansons ici dehors. Macron, qu'est-ce qui t'énerve? La vie? Non. Hein? Ah. Moi, j'ai élevé beaucoup de petits Mais frères ça, et c'est pas petites ça que tu l'as choisi, maman. Moi, je n'ai pas filles. Excuse-nous choisi. de vivre. Hein? Tu peux t'enfermer dans ta chambre pendant 15 jours. Nous partons dans combien de jours là même d'abord? Voilà, tu peux t'enfermer dans ta chambre, Massa. Ici, ils vont te coller la baisse, ils vont pas t'accrocher à ta porte. Ils vont faire quoi? Puisqu'ils sont trop tôt pour faire la carrière, ils vont faire quoi? Parce que j'aurai à perdre un truc, mais c'est la seule chose qu'ils vendent. Ils font quoi? J'aimerais même trop savoir. Ah ouais, j'ai pas trouvé, j'ai même pas eu, j'étais hier chargée. Faut que je leur trouve des trucs pour le bain là. Oui, évidemment, c'est la seule chose que tu peux faire, toi. Pardon? Bonjour, bonjour Albert, bonjour bonjour Lauriane. Bon, oh, je suis sur les vacances, moi je suis, vous avez vu comment je suis posée. J'aime les panards en l'air. Hein? Vous avez vu mes jambes? Regardez comment je suis couchée. Ah oui. Laisse-moi aller direct dans cette position. Ah oui, non. Ouais, on ne peut pas être plus royaliste que le roi, dis donc. On ne peut pas être plus royaliste que le roi. Vous voulez qu'on se donne pourquoi? Pour qui? Ah non, les camés. Ceux que vous avez, même les petits, dis donc. Hein? Ceux qui gèrent là, ou du moins ceux qui gèrent selon vous. C'est bon, ils gèrent bien. Ils gèrent bien. Donc, il y en a qui ont encore des théories fumantes sur l'affaire. Comment on appelle Samy le Noir. Les camés. Sérieux. On doit faire quoi de vous, non? Pourquoi on crie dans mon direct comme ça? Je crois que nous allons être nombreux ici à faire le direct. Écoute. Je sais pas quoi vous faire faire les gens, hein. C'est bien votre problème. Moi je m'en occupe pas, désolé. Au bout d'un moment, je veux pas être une distraction toute la journée. Hein. Moi j'ai la Pourquoi je vous achète des t-shirts blancs, vous avez dessiné dessus. J'ai des feutres pour t-shirts là. Ça fait une activité, non? Bonjour Mohamed. Non, aujourd'hui on se repose. Être trop traîner les valises là, c'est bon. J'ai besoin de reposer mon dos. Oui, Bonjour monsieur. Pourquoi en Mohamed. Je disais donc que les Camerounais, je vois des théories là, je suis tombée sur une théorie. Et il paraît qu'il y a une photo là, c'est une preuve. J'ai vu une photo là, deux personnes qui font des photos. C'est une preuve, hein? De quoi? Une preuve de quoi? Non, de temps en temps, il faut qu'on vous fasse un rappel à l'ordre, les gars, soyons sérieux. Si notre pays a coulé, c'est parce que nous avons laissé les cancres prendre le dessus. Nous avons laissé comment dire, la médiocrité prendre le dessus. Non, mais soyons sérieux. Les preuves de quoi? Je ne sais plus. J'ai vu la photo là en passant. C'est pas que ça m'intéresse spécialement, mais bon, il y a des choses qui encombrent mon cerveau. J'ai besoin de les évacuer. Si on n'en parle pas, ça reste dans mon cerveau. La photo là, c'est la preuve de quoi, non? Vous voulez que je vous montre des photos dans des positions échangées avec les gars avec lesquels il n'y a jamais rien eu, il n'y aura jamais rien. Et encore là, c'est quoi? Ah oui, voilà, voici la photo là. Dieu donnait 100 ans d'avance. Voilà nos affaires. Je te vois passer sur mon fil d'actualité ces jours-ci. La photo, c'est à quoi de. Hein? Elle a quoi de tordu?
Non, mais je peux me m'asseoir même bien. Parce que quand je suis assise comme ça, là, je ne suis pas dans l'affaire. Bon, voilà. Hein? La photo, c'est là. J'ai l'esprit retors. Hein? Donc, quand je ne vois pas quelque chose de tordu quelque part, peut-être parce que je vis en Occident. Vous, là, c'est-à-dire, dans votre pays, là, dans lequel 99% des femmes se font agresser sexuellement au moins une fois dans leur vie. C'est-à-dire que tu passes dans la rue, un petit genou, un vieux, un ivrogne te met les mains au derrière. Agression sexuelle. C'est une agression sexuelle. Donc, quand tu me montres une photo aussi là, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être un frère, une soeur, ça peut être de bons amis. Ça peut même être un employé. Et qu'est-ce que vous... c'est... Pourquoi est-ce que certains sont rétrogrades? Le pire, c'est qu'il y en a qui vivent en Bénin. La majorité même de ceux qui font l'affaire ici vivent en Bénin. Comment est-ce que vous arrivez à... Vous avez combien d'interrupteurs à vos cerveaux là? Vous appuyez sur rétrograde et vous appuyez sur vie moderne. Dans la même fraction de seconde. Vous pouvez vivre en Bénin. Lulu, attendez, donne à ma fille, ma Lulu. Non, non, laisse le frigo là, tranquille, tu viens de manger. C'est un jeu. Oui. Lulu, regarde cette photo, dis-moi, toi qui fais comme. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'elle te dit? I want to eat some dinner. Tu veux manger quoi? Tu viens de prendre le petit déjeuner, elle vient de nac de pain au lait. Et tu vas boire ton lait. Et quoi, boire ton lait. Regarder. Non, non, elle te dit quoi quand tu vois cette photo là? Est-ce que c'est du français? Bah, je sais pas, c'est très mauvais goût. Tu vois comme elle habille la dame fille. Ah oui, toi tu vois l'habillement, ok. Mais je sais pas, tu me... Bah, je te donne cette photo là, et qu'est-ce qui te vient à l'esprit d'abord pour commencer? Je veux pas te guider, parce qu'on a dit que je t'ai guidé. Ben attends, laisse-moi réfléchir. Hein. Ah bah ouais, il va réfléchir. Ils sont bien blancs quand même. Hein. Ils sont bien, elle est... Vous voyez, elle est... Mais j'en sais rien, y a rien. Non, ils disent que c'est la preuve que les deux là étaient amants ou je ne sais pas quoi. Mais c'est ma femme, comment tu sais que c'est... Ben j'en sais rien, il faut leur demander, ma fille fait communication. Attends, mon France. Non, il paraît qu'ils disent qu'ils sortaient ensemble. Ah. Que c'est la preuve qu'ils sortaient ensemble. Bah d'accord, bah les célébrités elles se font dans leur vie privée, on les voit embrasser lors du ciné, et là ils sont juste côte à côte. Quoi. Bah ils sont juste côte à côte. Comment ça, ils sont ensemble, ils sont plus... Non, ils disent que c'est la preuve bah, qu'ils sont ensemble. C'est plus intime, je pense qu'il y a eu d'autres clichés que ça. Allez. Ah, ma fille demande d'autres clichés de ça. Parce que ça veut strictement rien dire. Bah, je sais pas. Et c'est une jeune. Hein. Can you play with me? Bonjour ma Josie, comment vas-tu? Oh, wow. Oh my God. Il faut arrêter avec la folie. It's not for your age. Vous vivez dans des pays dans lesquels nos enfants de 6 ans disent qu'ils ont des amoureux. 5 ans. Ils se tiennent la main, ils disent qu'ils sont amoureux. Le lendemain, j'ai changé d'amoureux parce qu'elle voulait me donner son goûter. Va manger, va manger. Hein? Dans un pays dans lequel 99% des femmes se font agresser sexuellement au moins une fois dans leur vie. Je dis agresser sexuellement. Violer alors, laisser. Peut-être qu'on tombe à 85%. L'inceste, c'est ça que tu veux voir. Mmh? Détournement de mineurs, c'est ça que tu veux voir. Vous voulez faire un procès à deux adultes, quand bien même ils seraient sortis ensemble, vous là qui prenez le comment on appelle l'infidélité, vous qui trouvez que Chisa c'est devenu la norme, vous leur reprochez quoi? Ah, c'est pour soutenir la thèse comme quoi l'homme l'aurait tabassé à mort. Faut prouver. C'est juste pour votre théorie là. Il y a des compagnes qui trompent leur conjoint, ça n'aboutit pas à la mort. Où est le lien cause à effet? Vous adressez à des personnes sensées. Moi, je dis ça, je dis rien. Vous adressez à des personnes sensées. Tout le monde n'en a pas l'interrupteur sur son cerveau. Ndunga, un peu futé. C'est la preuve de quoi? Hein? Le Dieu donné 100 ans d'avance, 100 ans d'avance dans la bêtise. Il faut qu'on apprenne à se dire les vérités vivantes. Hein. 100 ans d'avance dans la bêtise. Je t'ai jamais écouté, mais vraiment, rien qu'au titre là, je traverse seulement, mieux m'arrête pas. 100 ans d'avance sur quoi? Le Dieu donné la vie où tu vis en Occident. Quand tu vois les enfants de 5 ans se tenir la main, ça veut dire qu'ils ont des relations sexuelles.
Quand ton enfant de 5 ans te dit, j'ai un amoureux, tu commences à lui donner la pilule. Ta fille de 5 ans dit, j'ai un amoureux, tu commences à lui donner la pilule. Moi, je ne fais plus beaucoup de photos. Mais quand j'étais jeune, là, je portais même les tenues de mes frères de manguier, comme je les avais. Que les, on avait grandi ensemble, là. Il me disait, Karim, tiens ma tenue, je portais, elle n'était pas leur copine. Hein. Tiens ma tenue, là, donc, pour ne pas la froisser, la mettais sur mon dos, ce n'était pas mes copains. Ce n'était pas mes petits amis. Hein. Hein? Vous qui avez l'esprit tordu là, vous qui avez des vies tordues là, vous laissez vos vies sales comme tout. Quand bien même les deux filles seraient sorties ensemble, c'est quoi votre problème dedans? Apportez la preuve qu'elle fait partie de la chose. N'allez pas chercher des preuves, comment dire? N'allez pas fouiller dans leur vie privée, parce que ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Nous voulons d'abord la cause de la mort. Sans cause de la mort, il n'y a pas de procès. Je repose la question, vous accusez Karim Mungwe d'avoir fait quoi? Parce que Karim en paye à cette entreprise. Hein. Là-bas, vous ne pouvez même pas. Là-bas, vous ne pouvez même pas attaquer l'entreprise. Essayez d'attaquer l'entreprise. Allez attaquer la fille. Parce que je ne pense pas que, selon vos dires, là, cet homme soit sorti avec l'entreprise Karim Empire. C'est une histoire d'individu. C'est une histoire d'individu. C'est là où tu te rends compte que certains Camerounais ont le macabo. Un dur macabo vis-à-vis de leurs frères et sœurs. Comme ça, on ne sait même pas pourquoi. Si on vous pose la question de savoir pourquoi vous en voulez tant à Karim Mungwe, vous ne saurez même pas par où commencer. Parce que ça ne tient pas la route. Quand vous sortez souvent vos bêtises comme quoi on ne peut pas gagner la vie en faisant ceci, vous connaissez l'entreprise, vous êtes entré dedans. Vous savez qu'elle vend combien de lait par an. Hein? L'Oréal a commencé comment? L'Oréal a commencé comment? Nivea a commencé comment? Nous autres sommes nés avec Nivea. Vous pensez que les Nivea ont commencé comment? Et la communication que nous avons aujourd'hui, Nivea n'avait pas ça à l'époque. L'Oréal, devenue millionnaire en euros, elle a commencé comment? Bonjour Jeanne. Comment est-ce que vous voulez être aussi rétrograde? Pensez que tous ceux qui réussissent trempent quelque part ou vendent les organes ou vendent. Mais c'est quoi? Vous voulez bâtir l'Afrique sur quoi? Vous qui êtes né hier là ou avez vu le soleil hier là, est-ce que vous savez que ce pays tenait la route avant que Biya ne récupère l'affaire là? On disait que nos pères étaient dans les loges, ça ne faisait pas de nous des idiots. Hein? Nous sommes des enfants des parents qu'on accusait d'être dans les loges aussi. Hein? Vous n'avez pas de nouvelles loges. Hein? Mais vous savez les gars performants qui sont sortis de nos générations là. Pourquoi vous aujourd'hui vous pensiez que hein, pouvoir vivre de la vente des cosmétiques est extraordinaire? Il suffit de développer son produit. Les Camerounais ont fini par faire confiance à ces produits, donc elle les vend. Au lieu de vous estimer heureux qu'aujourd'hui, les Camerounais consomment un produit fabriqué, élaboré par une Camerounaise. Non! Vous voulez tuer. Après, vous irez acheter les macaris qui sont issus des enfants d'une autre communauté. Et vous voulez redresser votre pays. Vous dites que votre pays là, émerge en 2035. En vrai, avec quel genre de prototype, de spécimen? Nous, si là, Cameroun émergence 2035. Quand le but premier de chaque individu, c'est mettre les bâtons entre les roues de l'autre. Restez dans le cadre hein, dans lequel Samy le Noir a trouvé la mort. Restez dans le cadre. Là même, votre fiction là n'est même pas achetable, elle n'est même pas vendable. Elle tient pas la route. Qu'est-ce qu'il y a? Mais non, elle fait ça, mais elle pleure pas. Voilà le pays. Les inondations ne font que commencer. Après les inondations, ce sera le choléra. Après les inondations, ce sera le choléra. Nous n'avons toujours pas d'eau. Nous n'avons toujours pas d'eau. Là, à Douala, maintenant, il n'y a plus de frontière entre l'eau qu'on évacue et l'eau qu'on boit.
Vous ne cherchez même pas à savoir pourquoi est-ce que le pont sur le Vouri est inondé. Là, vous êtes là. Vous cherchez. Moi, j'ai posé la question. Moi, je me suis posé la question parce que moi, je trouve ça extraordinaire qu'un pont soit inondé. On m'a expliqué pourquoi c'est inondé. C'est même terre à terre. C'est même terre à terre. Et vous êtes assis là. Vous êtes dans les pantalons des gens. Qui sait ce que vous faites? Vous, les Camerounais là qui n'êtes pas fiables un sou dans vos couples là. Qui sait ce que vous faites entre vous là-bas? Et puis la polygamie est même permise dans votre pays là. Vous acceptez que les femmes touchent à gauche, touchent à droite. Les hommes touchent à gauche, touchent à droite. Votre problème c'est quoi? Et même si c'est un crime passionnel, c'est un nouveau crime passionnel. Parce que quand j'entends certains Camerounais prendre de la hauteur en parlant aux compagnons de Karim Ongo, je suis dépassé. Vous, les Camerounais, vous pouvez vous poser à côté des peuples turcs, des populations. Non, non, du peuple turc et des personnes qui constituent la Turquie. Vous connaissez l'histoire de la Turquie? Est-ce que vous connaissez l'histoire? Parce que vous dites souvent l'Inkassa. Pour vous, l'Inkassa, c'est péjoratif. Vous pouvez le monde arabe. D'ailleurs, eux, ils sont même pas. Ils sont mélangés là-bas. Je ne suis même pas sûr que la majorité soit arabe. Vous pouvez les populations, et les Ottomans, et les ici, et les là. Vous pouvez. Quand on parle de peuple assis, quand vous ouvrez souvent vos bouches, là, vous dites l'Inkassa. Qu'est-ce que vous entendez par l'Inkassa? Rien que le Maghreb ici au-dessus de nous, là, nous pâche. Hein? Rien que le Maghreb ici au-dessus, ça vous pâche. Vous voulez aller tester les gars au Moyen-Orient. Hein? Vous voulez aller tester les gars au Moyen-Orient. Parce que vous ouvrez souvent vos bouches là. Les Camerounais qui sont devenus, nous autres Camerounais qui sommes devenus les pires mots de la société mondiale. Les violeurs, c'est nous. L'inceste, c'est nous. Les assassinats qui se passent au Cameroun là, vous voulez que j'aille chez Zuimanto? L'heure du crime. Tous les crimes là, crapulés au 237. Vous voulez que j'aille sur le mur de Zuimanto une semaine? Est-ce que je vais y échapper? Vous êtes en train de chercher un assassinat au forceps. Là où les gens sont versés tous les jours là. Au 237, ils sont assassinés. Balancés comme ça comme des animaux, vous ne dites rien. C'est là où vous n'avez même pas l'ombre d'une preuve que c'est un assassinat. Ce n'est même pas un assassinat, c'est un meurtre. Vous y allez au forceps. Hein? Combien de Camerounais vont encore mourir après Samy Lenoir? Là, ça devient une blague de mauvais goût. Sincèrement, apportez-nous des choses qui tiennent la route. Ne me sortez pas une photo que tous les gamins font maintenant. Si vous allez sur, je sais pas, les réseaux sociaux, vous allez trouver des photos comme ça. Même encore plus rapprochées. Vous allez fouiller, les enfants là ne sont même pas ensemble. Les enfants, quand vous avez l'esprit tordu là. Quand vous avez l'esprit tordu là. Donc vous avez fait une photo de Calibré et moi, l'un dans les bras de l'autre. Vous avez dit qu'on commente ensemble. Le jour où je vais retrouver mon Maxou, Tiara, vous avez dit qu'on sort ensemble. Si vous êtes en manque d'affection, nous on n'est pas là-dedans. Hein? Si vous êtes en manque d'amour, en manque d'affection, vous n'exprimez pas ça comme une grosse partie de la population mondiale, c'est votre problème. Hein? Si votre expression de l'affection pour l'autre, ça allait violer, ça allait faire des attouchements, ça c'est votre problème. Hein? Tout le monde n'a pas l'esprit tendu. Tout le monde n'a pas l'esprit tendu. Et vous avez des enfants élevés. Je suis dépassée. Zuimanto, allons chez lui. Allons chez lui. Si vous voulez gérer les assassinats. Il y en a quelques-uns par semaine, du moins connus par nous. Parce que nous ne sommes pas au courant de tout ce qui se passe dans ce pays-là. Il y a même un cimetière de motos maintenant. Mairie du... Les motos arrachées, Yaoundé 2. Yaoundé 2. Hein? Les enfants. Non. Oh, telle s'est mariée, telle. Voilà, saison des assassinats, il y a 14 heures. À Kribi. Pourtant, je ne suis pas assise sur la page de Zui. Le peu que je vois passer. Saison des assassinats. Il a même un titre maintenant.
Qu'est-ce qu'il y a? Oui, oui, non, non, mais parce qu'il peut prendre la tablette. Non, là, j'ai pas une douche, moi, pour celle là. Elle est où la deuxième? Bah, elles sont là. Mais est-ce qu'elle est chargée? Non, non, on joue pas dans l'escalier. On ne joue pas dans l'escalier. Ça, c'est celle de qui? C'est celle de Anaya. Ici, il n'y a pas de tapis. Hein. Vous allez. Amael, on ne joue pas dans l'escalier. Ça, c'est celle de qui, ça? Mon fiancé, j'ai fait, je ne peux pas imaginer participer. C'est celle de qui, ça? Beaucoup de questions, hein, maman. Où est la console? Dans ça. Où est la Wii? Ah, non, touche. T'es trop mignon. Ah, non, touche. J'espère qu'elle n'a pas perdu votre vie, hein. Adam touche. Il y a 14 heures. Elle a été à Kribi par son ex-copain. Non, ouais. Prends-la. C'est ok. Naya, où est la tienne? Prends la tienne. Akribi, il y a 14 heures, publié par Zumanto. Remontons. Non, non, vous cherchez les endroits où on kilame les gens, non? Vous cherchez les histoires de kilam, non? Non, non, on ne parle pas anglais. Ça va sortir tout seul. Hein. Vous ne connaissez pas le dur labeur que j'ai ici. Vous cherchez les gens qu'on quilame. C'est verset 237. Sans aucun doute. C'est verset. Pour ceux qui aiment à comparer l'affaire Martinez Zogo et l'affaire Samy Lenoir, il est établi. Il n'y a aucun doute que Martinez Zogo a été assassiné. Aucun doute. On parle même pas de meurtre, on parle d'assassinat. Donc vous ne pouvez pas comparer. Vous n'avez pas la preuve que Samy Lenoir a été assassiné. Qu'il a même été tué. Parce que vous êtes dans les éléments qui peuvent m'être apportés. Vous n'allez pas les chercher. Pour l'autopsie. Le genre de mort, c'est... Commencez par là. Avant de commencer à vouloir faire des procès. Avant de vouloir commencer à faire des procès, commencez par là, genre de mort. C'est la faute à pas de chance. Ou c'est l'œuvre volontaire de quelqu'un ou involontaire. Ne marchons pas sur la tête, pardon. La tête là, nous en avons besoin pour faire autre chose. Voilà les histoires du Cameroun. Une femme oublie la marmite au machin. Hein? Allez sur la page de Zumanto. Vous voulez gérer les assassinats. Vous avez un certain nombre d'assassinats. Il y en a qui pensent que en s'accrochant sur l'affaire Samy Lenoir, ils vont exister. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe? C'est pas comme ça que ça se passe. Il y a un certain nombre de personnes sur cette toile qui on les voit. Moi, je dis ça comme ça, je dis rien. Quand les personnes appuient sur déranger, ça dérange. Et puis il y en a d'autres. Vous aurez beau appuyer, ça va pas déranger. Mettez-vous ça bien profond dans la tête. Oui, oui, il y a des personnes, quand ces personnes achètent le problème là, mieux les autres traitent. Vite, règle l'affaire. Et puis, il y en a qui, vous allez brailler 100 ans là. Sauf que vous occupez nos mémoires. Moi, je tombe machinalement dessus et mets les mains sur la tête. Je dis, ouais, faut que j'évacue le truc de ma tête, donc il faut que j'en parle. Là, vous avez des preuves, les photos commencent à sortir. Une photo basique. Moi, il y a des photos avec les gars plus, mais... Vous pouvez jurer que ces gars-là et moi, pourtant, il n'y a même jamais eu l'ombre du commencement de quelque chose. Je me souviens, il fut un temps là, dans nos groupes là, tu t'asseyais sur les jambes de quelqu'un sans que ce soit ton copain. Hein? Moi, je me souviens, les filles, ça pouvait s'asseoir comme ça sur les jambes du meilleur ami et rien ne faisait. Même la copine là n'avait pas son mot à dire. Moi, j'ai mes dieux frères de cité là. Quand nous nous retrouvons, mais les femmes là peuvent se suicider. Nous avons grandi ensemble, nous avons un passif qui fait que même si nous nous séparons 20 ans, dès que nous nous revoyons là, c'est comme si on s'était jamais séparés. Nous dormons dans les mêmes lits sans que rien ne se passe. Hein?
Nous avons grandi ensemble, nous nous sommes vus courir en maillot de bain sans le haut. Nous nous sommes même vus, tu te changes dans la cabine, tu vois la porte qui fait waouh. Vous avez un groupe de petits villageois ici, quelqu'un se baigne dans la piscine lors du nager. On dit que oh, il s'est même lavé dans la piscine du chef. Qu'est-ce que vous entendez par piscine du chef? Avec l'esprit villageois. Hein? Le pays se meurt. Les inondations sont en train de faire combien de victimes? Pays pas urbanisé. Vous voulez alors que vous dise pourquoi le pont sur le Voury est devenu le pont sous le Voury? C'est pas le Voury qui est même au-dessus. Mauvaise construction. Douala est en dessous. Tout le monde le sait que Douala est en dessous du niveau de la mer. Et le pont là est. On aurait dû le surélever comme le pont de la Dibamba. Pour ceux qui. Est-ce que les Camerounais savent même que le pont de la Dibamba est surélevé? Tu montes sur le pont de la Dibamba. Surtout en venant de Douala. On l'a mis au-dessus. Donc l'eau que vous voyez là, c'est seulement l'eau le pont est au même niveau que. Comment dire? Que le quartier. Donc quand le quartier inondait, le pont avec. Le pont avec, on aurait dû surélever. Ils ont pris l'argent, ils ont mis dans les poches. C'est pas l'eau du Voury. C'est l'eau des pluies qui stagne, c'est tout. Et le pont étant au même niveau que le reste de la ville, ben petit tunnel. Petit cours d'eau temporaire. Petit cours d'eau temporaire. Et vous êtes là, vous ne faites rien. Justice pour Samy Lenoir. Nous attendons toujours justice pour Zoro. Hein. Nous attendons toujours. Il n'y aura pas de justice pour Samy Lenoir. Il n'y aura pas de justice pour Zoro. Il ne faut même pas se leurrer. Il ne faut pas se leurrer. Et vous êtes assis là. Vous allez encore mettre un autre mort bientôt là. Au lieu de trouver le traitement définitif à vos maladies, vous êtes là. Telle des âmes en peine. Fuite en avant. Je suis Sénégal, un coup. Je suis Mali. Oh, je suis. Et toi-même, tu existes par quoi? Tu seras Camerounais quand? Tu seras Camerounais quand? Voilà Pomba qui est encore allé faire pitiation. Il allait tendre la main à qui? À la Russie. Les gars eux-mêmes ne voient pas du bien. Eux-mêmes ne voient pas du bien. Ils parlent de quoi là? Non, c'est même plus la récession maintenant, l'inflation. Mais il y a inflation dans tous les pays. Non, c'est l'État qui met les choses en place pour maîtriser l'inflation. Le salaire des Camerounais n'a pas bougé, c'est depuis 30 ans. 35 ans. Tu viens pleurer inflation. Notre part nous a y dépassé ici. Il y a des choses qui ont doublé le prix. Notre part d'inflation aussi nous a y apache. N'empêche que nous continuons à manger. Nous continuons à manger. Mais vous êtes assis là-bas. Depuis la dévaluation, les salaires n'ont pas bougé. Quand la maison s'écroule, Laura Kamene ne vous dit pas que c'est votre part d'un grimba là-bas. Regardez les immeubles dans lesquels vous vivez. Personne ne veut trouver de solution. Non, on ne se tape pas dessus. Elle a pris beaucoup de cartes, mais où sont les tiennes? Vous entendez mon fils qui parle français? Par contre, la fille ne veut pas parler. Non, dites-moi. Regardez la ville de Douala. Pourtant, les Camerounais vont à l'école. Pourquoi est-ce que les Camerounais n'étudient pas la topographie, n'étudient pas le il y a tellement d'eau dans l'air que... Mais les gars! Pourtant, il y a des Camerounais ici qui ont la solution. Hein. Il y a des Camerounais qui sont assis ici qui ont la solution pour que nous cessions de construire des maisons qui sont des éponges. Vous êtes assis là-bas. Même nous-mêmes qui n'avons même pas fait toute cette technique-là. Et dis-moi à ma mère que vous avez tout là. Vous avez la terre battue. Vous avez vu les maisons en terre battue un jour être humides. Hein? Non. Moi, j'ai jamais vu d'humidité dans la maison de mon grand-père. Hein? Jamais. Jamais vu d'humidité là-bas. Mais quand il va chez ma soeur, le parpaing de terre, tu restes comme là, tu dis, ouais, mon Dieu. Tu poses tes vêtements, c'est jamais sec. Tu poses tes vêtements, c'est jamais sec. Vous êtes assis là, nous avons la solution, mais nous sommes dans les vous, plus. Il y en a qui veulent à tout prix manger Karim Ngwe. Vous n'avez pas la manger. Chacun son étoile ici dehors. Vous n'avez pas la manger.
Essayez une autre fois, mais pas cette fois-ci. Hmm? Pas cette fois-ci. Regardez un pays. La honte ne nous tue pas. Regardez, voici notre marché. Regardez. Regardez. Rien que ça, c'est un crime pour l'humanité. Contre l'humanité, pardon. Regardez. Voici un pays. Quand nous parlons souvent fort, là. Quand nous parlons souvent fort, voici un marché. Voici un marché. Regardez les... Seigneur. Oh, Azamboudou. Les gars font, ils font de la poubelle des étals. Voilà ce qui finit dans la bouche d'une personne sensée. Voilà. C'est à cause de la France, n'est-ce pas? C'est à cause de la France que vos marchés ressemblent à ça. Comme nous ne sommes jamais responsables de rien, c'est à cause de la France, c'est à cause des États-Unis, c'est à cause des colons. Oui. Ton propre espace de vie. Regardez-moi ça. Dans les bouteilles, là, tu n'es même pas sûr que ce soit de l'huile de palme. C'est à cause, regardez. C'est un marché. C'est notre vie, ça. Tu vis dans un pays dans lequel on balaie tous les jours. Peut-être pas le dimanche, mais je pense qu'ils balaient même aussi le dimanche. Ici, il y a des personnes qui sont embauchées pour balayer. Quand vous dites, oh super, mais oh communauté urbaine, mieux tu vis au village. N'ai pas encore vu le genre de poubelle, c'est dans un village. Mieux tu vis au village. C'est à cause des Occidentaux, n'est-ce pas? Hmm? Pour rappel, poubelle, c'était un Français. Hmm? On vous a créé des bacs ordures, des poubelles, système d'enlèvement d'ordures. Voilà. Vous vivez, vous avez décidé de vivre sur votre part. C'est à cause du colon. Ou bien le colon vous a interdit d'utiliser les poubelles. Dites-moi. Voilà la nourriture qui va finir dans vos ventres. Vous n'avez pas d'eau, hein, regardez. Au lieu d'économiser même l'eau. Voilà, voilà où on vend vos tomates. Déjà, s'il faut laver ça, comment pour mettre dans la casserole? C'est pour ça que ma mère lave son... J'ai toujours vu ma mère laver fruits et légumes avec le kusha et le savon. Hmm. Pourtant, nous n'étions pas encore au niveau où on achète la nourriture par terre même. Une partie de ma vie, j'étais même bien dans le supermarché. Nous faisions déjà les courses dans le supermarché avant même. Maman achetait soit la nourriture en gros. Mm. Donc j'ai assis là. Tu veux que psychologiquement, j'avale ça comment? J'avale ça comment? Quand ma part est déjà quasiment prêt à mettre dans la marmite ici. On te dit prêt à cuire. La salade est déjà lavée. Tu prends seulement la salade là. Tu fous, tu go au boulot avec. Tu mets ça dans l'assiette. Tu veux mettre la vinaigrette dans ça. Bonjour grand-mère. Est-ce que les enfants du Cameroun peuvent m'expliquer ce qui ne tourne pas rond chez nous? Est-ce que vous pouvez me dire ce qui ne tourne pas rond chez nous? Hmm? Effondrement. Voilà, voici une capitale. Qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez nous? Yaoundé. Regardez. Pour que nous soyons là à chercher des problèmes au forceps, pourtant ça là c'est versé, son coton. Lorsque les Camerounais vont se lever, les Sénégalais, non parlons des Camerounais. Donc, lorsque nous allons dire que Biya doit nous lâcher, nous allons venir casser la France, pourtant ça là, ça doit être rangé proprement. C'est une équipe, bonjour Jean. Parce que les Camerounais, ça vous dérange pas. Regardez, les gars vivent là. Les enfants, regardez, hé hey, Seigneur, oh Azamé. Devant la maison de quelqu'un même. Hein.
Oh, Naya, tu fais le taureau avec ton frère, c'est comment avec toi? Regardez, devant la maison, Roha. Vous avez vu? Non, se bagarre pas. Non, se bagarre pas. On ne se bagarre pas, Ama. Hein? Vous avez vu? Devant la maison, Roha. Devant la maison, hein? Ok. Tu vas voir avec tout ça? Lulu se lave. Hein, Lulu se lave. Ama, donne-moi ton sac. Venez, venez, venez. Donnez-moi vos sacs, venez. Naya, donne-moi ton sac. Naya, Naya, tu viens? Attention. Ouh. Et pourquoi est-ce que c'est coincé? Tu as deux mains. Tu as deux mains. Dépose les cartes. Dépose d'abord les cartes, Amael. Dépose les cartes. Dépose d'abord les cartes. Tu prends. Apporte ton sac, Naya. Non, joue pas dans l'escalier. Naya, joue pas dans l'escalier. Ah non, non, non. Apporte le sac. Apporte les deux sacs. Zamba. Voilà. C'est comme ça que vous bousillez les... Non, donne-moi le reste. Donne-moi les écouteurs, les tablettes. Et l'autre aussi. Donne-moi les écouteurs, les tablettes. Donne-moi aussi celle-là. Merci. It's okay? Il fait quoi avec la tablette? Oui, oui. Il veut avec la tout tablette. À fait. Ah, oh, ben, l'enfant, c'est le français. Oui, je veux avec la tablette. Oui. Oh! Ah, surprise. Il y a quoi? Tu as chaud? Il fait plus chaud ici qu'en Californie. Maman, tu as le ventilo. Adieu, Mina. Ah, c'est le Zimbabwe, le Cameroun n'est pas comme ça. Ok, ben moi mon problème. Moi, j'ai la certitude que Lyon n'est pas comme ça. Donc, quand vous créez des problèmes, vous allez créer des problèmes quelque part. Vous essayez d'en créer au forceps. Tout ça là, qui doit gérer? Ça là qui est réel là, sous nos yeux. Qui doit créer? Qui doit gérer? Voici la réalité. Qui doit gérer ça? Moi, je n'ai rien contre le fait que certains demandent justice pour Samy le Noir. Hein. Si vous apportez la preuve du crime, nous tous allons nous engouffrer dedans. Mais en attendant, voici notre dure réalité. Si c'est qui s'entend sur toi là, sans toi d'avance, il paraît que tu avais une grosse sardine avariée. 100 ans d'avance, mon frère. Son prénom, c'est encore Dieu donné. 100 ans d'avance. Voici notre réalité. Voici notre réalité. T'es 100 ans d'avance, là. C'est le futur, ça. Hein? Les voitures vont cesser de rouler sur du bitume et le Cameroun a 100 ans d'avance. Où c'est dans ta tête? Hmm. 100 ans d'avance. Dieu donné. Prête un peu à Bia. Prête un peu à Bia, regardez-moi les camères, le gars déblaire, il déblaire ça, à la pelle. Nous avons déjà vu les Camerounais enlever la poussière à la pelle. Maintenant les gars enlèvent la boue à la pelle, encore là. Mais vous dites, vous allez installer une usine de parfum sur les routes camerounaises, vous êtes riches. Hein? Quand la saison sèche arrive, vous êtes riches, vous avez des parfums socotons, vous vendez ça là aux gars qui arrivent à circuler. Hein? Une dure latérite comme ça. La nature a fini de faire son mélangement. Tu prends seulement le moule, tu mets dedans, tu mets sur le côté.
Bon, tu te relèves un peu parce que les pubs vont venir tout gâter aussi. Usine à papa. Nos routes sont des usines à papa. Si vous voulez racler, racler, à installer une usine à papa, à tuiles là-bas, vous raclez, vous faites des papins sur le côté. Hmm? Dès que la nature forme la boule, la tchara, moule à papin, brique de terre. Voici 100 ans, Dieu donnait 100 ans d'avance. On gère ça quand? Hmm? À part dire que c'est de la faute du colon, on gère ça quand? Voilà, voilà ce dans quoi nous vivons. Pendant ce temps, virgule, Bia est en Russie, hein, en train de boire la vodka. Hmm? En train de boire la vodka. Chantal Bia est mannequin. Hmm? Et c'est comment est-ce que les Russes ont fait pour bâtir Saint-Pétersbourg là? Hein? Elle a vu le travail des hommes. Est-ce qu'elle a vu le travail des hommes? Hmm. Est-ce que nous avons besoin d'inventer des problèmes? Ça là, c'est pas assez. Si c'est un Bangourem, je ne sais même pas où c'est. Regardez, hein? Regardez quand même. Est-ce que nous avons besoin d'inventer des faits divers? Nos vies ne sont que faits divers. Nos vies ne sont que faits divers. Ouais, l'urbanisation. Regardez comment les caméras se mettent en danger. Regardez. Vous êtes là, vous allez farfouiller dans les jupons de Karine Mungwe. Le pays n'est devenu que désolation. Le pays n'est devenu que PK19 aussi. Un bâtiment, c'était Maman Sarah. Donc, j'étais vraiment avec elle. Regardez. Est-ce que nous avons besoin d'inventer des problèmes? Nous avons besoin de créer des problèmes. Entre les assassinats et tout. Est-ce que nous avons besoin de créer quoi que ce soit? Mmh. Voici une route moderne. Voici une route moderne. Et quand vous demandez justice, ça vous demandez justice à qui? Baissez le son, s'il vous plaît. On baisse le son, on met ses écouteurs. On met ses écouteurs. On met ses écouteurs. Je vais dire une dernière fois. Chacun met ses écouteurs. Si vous ne mettez pas vos écouteurs, Naï Ama. Mmh, ça va être les pleurs du Mbolé. Oui, voilà. Voici Madame la Présidente chez les autres. Madame la Présidente, voici chez toi. C'est là où tu devrais faire des photos. Madame la Présidente. Elle s'est déjà mise un jour comme ça depuis qu'elle a quitté le Poula Poula. Elle s'est mise comme ça pour prendre des photos un jour. Mmh. Elle a déjà posé comme ça, même au palais de Tourine. Elle a déjà posé comme ça, même au palais de Tourine. Non. Non. Voici la réelle. Pardon. Ama, si tu ne mets pas tes écouteurs, je te l'enlève. Tu me mets tes écouteurs, Ama. Tu prends les écouteurs avec le fil. Tu connais la chanson? Non, j'ai dit tu prends les écouteurs avec le fil. Tu prends les écouteurs avec le fil. Tu mets sur ton appareil. Il y a plein d'écouteurs ici. Les écouteurs d'avion là, les gars ont un supermarché dans leur sac là. Ils doivent avoir 10 écouteurs d'avion. Mmh. Ama, tu mets tes écouteurs. Tu comprends mieux français que ta soeur. Donc là, tu ne veux pas mettre des écouteurs, c'est tout. Si ça ne fonctionne pas, tu essaies une autre paire. Je ne sais pas ce que le bruit fait aux enfants. Ils adorent faire du bruit. Donc mes frères et soeurs, là, comme vous aimez le Congosa, hein, voici le dur Congosa qui nous concerne. Voici le dur Congosa qui nous concerne.
pas les histoires à la Laura Kameni. Laura Kameni qui ne voit que le malheur. Ben, les gars qui viennent de passer le bac là, qui viennent d'échouer, auraient aimé que tu leur dises que voilà le pourcentage que les Camerounais auront au bac. Hmm? Voilà le pourcentage. Dites-nous, où est-ce que nous voulons en venir? Avec le genre de pays ici, nous n'avons pas besoin de créer les problèmes. Il y a 4 jours, Konsamba, Bomaye. Bomaye, même la nature est contre nous maintenant. En un mois, vous avez vu le nombre de catastrophes au 237. Même la zone de guerre n'est pas aussi dangereuse. Même la zone de guerre. Et il y en a qui vivent à l'aise avec, hein? Il y en a qui vivent à l'aise avec. Défaut d'urbanisation. C'est aussi simple que ça. Défaut d'urbanisation. Et vous voulez que je continue à venir me damner ici parce que quoi? Mon pays à moi toute seule. Quel bénéfice j'ai à lutter? Parce que moi aussi, j'ai besoin de bénéfices. Hein? J'ai besoin de bénéfices. Le bénéfice, c'est quoi? Vous n'êtes même pas conscient de vos propres problèmes. Ou, non, vous préférez ne pas vivre avec. En face comme ça. Gérer. Douala a plus de 3 millions d'habitants aujourd'hui, 4 millions. Pas urbanisé. Vous allez urbaniser ça quand Douala aura 10 millions d'habitants. Vous allez faire comment pour organiser ça? Vous ne faites que dire que vous construisez de nouveaux quartiers. Denver. Vous avez vu votre Denver. Quand il vous dit souvent que vraiment, vous qui dites que vous construisez au pays, là, vous n'avez rien, vous ne me croyez pas. Vous allez vendre ça à qui? Vous allez vendre le genre là à qui? Qui va vouloir acheter une maison en zone inondable? Une personne sensée. Même un camion n'achète pas une zone inondable. Même si tu demandes 20 millions à un camion là, il ne te donne pas ça pour vivre en zone inondable. Jamais ne ment. Jamais ne ment. Donc vous qui vous tuez là à vouloir construire 237, vous comptez sur quoi? Vous vous dites que vous avez des biens. Vous avez quel bien? Hein? Vous avez quel bien? Un bien sans valeur. Une chose qui n'a pas de valeur est considérée comme un bien. Vous avez vu votre Denver, les pieds dans l'eau. Construisez sur pilotis. Douala est en dessous du niveau de la mer. C'est connu. Douala sont les marécages. Le Bonaprison que vous voyez là, marécage. Quand on parle du débordement et des vouries, du vourri et tout ça, Bonaprison que vous voyez là sont les marécages. Bonaprison a été construit sur les marécages. Bonaprison n'a pas les pieds dans l'eau pour rien. Bonaprison a été construit dans les marécages. Pourtant, les Occidentaux ont bien construit. Hein? Hein? Sauf que l'urbanisation n'a pas suivi derrière. En amont, vous avez créé la désolation. Sur les côtés, vous avez créé la désolation. Vous avez Youpé à côté de Bonaprison. Hein? Youpé est de l'autre côté de Bonaprison. Donc, s'il y a inondation, Bonaprison est dans l'eau. Bonanjo est dans l'eau. Et combien de Camerounais vivant à Douala sont conscients de l'affaire? Combien sont conscients? Vous qui dites que Cameroun émergent. Quel Cameroun émergent? Avec des problèmes récurrents comme cela, que personne ne veut résoudre. Chaque année, inondation au même endroit, aux mêmes heures. Est-ce que l'inondation est une fatalité? On apprend juste à construire avec ce que la nature nous a donné. Il y a des études. J'ai vu comment on met une charpente ici, on met les mains sur la main. J'ai dit, les gars apportent la charpente, elle est déjà toute montée. Chez nous, là, tu entends les taux. Ils mettent la grue qui vient déposer la charpente. Au Cameroun, là, les gars, tu entends tôt, tu regardes le bois, là, il y a un qui est comme ça, il y a un qui est comme ça, il y a un qui est joufflu, il y a un qui est maigre, il y a un qui n'est pas raboté. Il y a un qu'on a fait semblant de raboter. Et vous accusez vraiment les autres. Vous dites que si vous êtes dans cette situation-là, c'est à cause des autres. C'est à cause des autres, en vrai.
Pourtant, vous avez tout pour réussir. Vous avez tout même pour faire mieux que les autres ont même expérimenté avant vous. Et vous êtes assis là. Hein? Vous voulez créer des fêtes d'hiver. Vous voulez vivre à la hollywoodienne. Pardon, pourtant vous mourrez encore de faim. Vous voulez bien faire votre Nollywood. Pourtant vous mourrez encore de faim. Waouh. Que le Nigeria là vienne annexer le terrain, dis donc, on gaspille l'espace là. En vrai, on gaspille ça. Il y en a qui disent 2025. Vous allez passer par où? 2025 ou avant? Hein? 2025 ou avant? Vous êtes assis là, votre pays est en train de couler. Le problème, c'est que vous êtes dedans. Mmh. Vous êtes dans le Titanic. On vous a mis la musique, vous êtes là, vous êtes en train de danser, vous êtes en train de chanter à tue-tête. Pourtant, le Titanic est en train de couler. Pendant que le pays coule, vous êtes là à vouloir créer au forceps un problème quelque part. Vous avez attrapé votre part de gibier. Karine Mungwe. Quand elle sera en prison, vos problèmes seront résolus, n'est-ce pas? Hein? Moi, je veux bien travailler pour qu'elle aille en prison, hein? Mais je l'accuse de quoi, non? Je l'accuse de quoi? En quoi? C'est vous qui, ça dit, vous faites souvent à ce que les gens aient des mots au-dessus d'autres mots. Qui t'a blessé? En quoi Samy le Noir est plus important que Zoro qui est là, qui n'a toujours pas justice? Qui n'aura même, on ne rendra jamais justice à Zoro, il ne faut pas croire. Une partie est en préventive là-bas. Les gars peuvent rester en préventive jusqu'à la fin de leur jour. Vous faites comme si vous ne connaissez pas ce pays-là. Vous demandez justice à un pays dans lequel on ne rend plus justice depuis au moins 35 ans. Un pays dans lequel tous sont des barons, sont des gars de la pègre. C'est à eux que vous demandez de rendre justice. Oui, votre part de justice, ça s'arrête, on enferme quelqu'un. Vous pensez que dans le cadre de l'affaire Martinez-Zogo, il y aura justice un jour? Est-ce qu'il y aura justice un jour? En quoi il est super Camerounais? En quoi il est super Camerounais? Qui va rendre justice à ceux qui viennent de mourir dans un immeuble là? Qui va leur rendre justice? J'ai dit que je ne veux pas entendre la tablette. J'ai dit que je ne veux pas entendre, c'est la dernière fois que j'ai dit que je ne veux pas entendre votre tablette. Si j'entends encore une tablette, la personne n'aura plus de tablette. Vous avez des écouteurs, n'est-ce pas? Je ne dois pas entendre le son de l'écouteur. J'entends toujours la tablette. Amael, je ne veux pas entendre le son de ta tablette. C'est la tablette de qui que j'entends? C'est la tablette de qui que j'entends, Amael? C'est la tienne? Eh bien, tu me mets tes écouteurs. Amael, est-ce que tu comprends ce que je dis? Et pourquoi est-ce que j'entends donc? Je peux savoir qui n'a pas d'écouteur là, lui, s'il te plaît. Ils ont tous leurs écouteurs là-bas. Mais pourquoi est-ce que j'entends le son? C'est juste fort. Mais qui baisse le son? Ah bah maman, ils vont toujours le remonter. Vous allez. Ils font toujours ça, les enfants. Ce n'est pas pour autant qu'on doit les laisser faire, ils vont se péter les oreilles. Bah, c'est leur baisser, hein, parce que je ne le ferai pas toutes les 5 minutes. Non. Non, c'est toi. Non, c'est... Il y a quelqu'un qui a les écouteurs qui ne fonctionnent pas. Mais si, maman, c'est juste que. C'est... Voilà, on baisse le son. Ils sont trop forts pourtant à l'extérieur. Bon, bref. Ils attendent la Russie. Les caméras attendent la Russie. Ok. Parce que la Russie elle-même, elle est supra-performante. C'est un pays dans lequel il fait bon vivre. Pays des libertés. Pays de. Ah ouais, tout est bien. Celui qui crée des guerres là chez les voisins, là, il n'a pas joué à saute-mouton avec un de ses frères là que. Hein, je fais semblant de partir, mais je suis toujours là. Hein? C'est un exemple de démocratie, la Russie. C'est un exemple de pays de liberté. Et nous sommes assis là, le pays se meurt. Il y en a qui pensent avoir attrapé quelque chose. C'est comme mes frères Élise Bissot là-bas. Vous dites aux gens, rentrez chez vous. Oh, les Bamlékés n'ont pas le droit d'avoir des maisons communautaires dans d'autres villes qu'à l'ouest. Mais j'ai vu Élise Bissot dire ici que levant de l'argent pour introniser à Tebankou ou à Strasbourg,
Adama, on peut avoir l'esprit aussi, aussi tordu. Intronisé à Tabankou. Il est chef strasbourgeois. Hein? On va être introduit. Atabankou n'est plus reparti au Cameroun depuis combien de temps? On attend toujours que chef. Atabankou, tu es chef traditionnel ici chez toi. Ici là. Tu vis même d'abord à Strasbourg. Voilà donc la maladie de nous autres. Et Atabankou, vous dites aux Camerounais chez eux-mêmes qui n'ont pas le droit d'avoir des maisons communautaires dans d'autres villes, que la ville qui a vu naître leurs ancêtres. Mais vous prenez vos pieds, tchap tchap, près de 6000 km, vous dites que vous venez introniser vos chefs traditionnels 237 ici. On peut avoir l'esprit aussi tendu. Tu veux la justice, ou l'ingo, tu vas voir comment tu fous la poubelle comme l'ordure que tu es. Hein? Il y a quelle contradiction, madame? Massa, elle ne veut pas vivre dans ta tête. Elle ne vient pas lui mal à la tête ici et te fout à la poubelle. Ce n'est pas un débat que j'ai ici. Apporter des éléments qui tiennent la route. Ne nous donnez pas mal à la tête. Tu viens demander à justice à qui ici? Je suis Laura Ezo. Je suis la police camerounaise. Vous demandez, on vous a dit que Facebook c'est le tribunal. Hein? C'est un moyen de communication. C'est comme un journal écrit. C'est comme le Cameroun Tribune. Quand tu dis que tu viens dire ici que on qui, waza, waneza, linengo, waneza, toi qui, tu vis dans une poubelle, tu dis que tu veux justice, tu arrives à demander justice pour toi-même. Hein? Tu payes les impôts au Cameroun, la ville n'est même pas capable d'enlever les ordures. Tu viens ici dire, on veut la justice pour jamais le noir. Tu veux la justice pour toi-même, commence par demander justice pour toi-même. Donc il est facile d'aller demander justice pour quelqu'un d'autre, un parfait inconnu. Mais pour toi-même, tu ne demandes pas à avoir justice. Tu payes des impôts au Cameroun. Des impôts, là, servent à quoi? Tu es propriétaire des mines d'or et tout. Ça te sert à quoi? Tu vois même un radis passer. Doum Kofwa. Doum Binkion. Même la crevette, là, intelligente. Elle peigne, c'est quand même Bindi, là. On veut. Vous les qui? Comme disait ma mère, on qui? On qui? Waneza. Tu vis dans une décharge, tu dis qu'on veut justice. Tu sais d'abord te rendre justice toi-même. Alors, commence par enlever la poubelle devant chez toi-même d'abord. On les qui? Vous demandez à qui? Toujours dans l'impersonnel. On. Toujours dans l'impersonnel. Qui va vous rendre justice? On. Vous demandez à qui? Vous avez mis qui devant là-bas? Votre garde les sauts, garde encore ces sauts-là. Oui, démolit les bêtises tous les jours un peu plus. Non, on veut. Pardon. Ici, c'est pas le poula-poula. Tu n'arrives pas avec les hommes ici. Dis-moi par quelle alchimie tu vas avoir justice dans ce pays-là. Par quelle alchimie? Même Jésus ne peut pas, même Dieu ne peut pas avoir gain de cause. On ne peut pas rendre justice à Jésus là-bas. Dans ce pays-là, si Jésus revient parmi les siens-là, il va sauf qu'être condamné à tort. Personne ne sera là pour lui rendre justice. Quand tu dis que tu veux qu'on lui rende justice, tu es d'abord adepte de la justice. Tu es d'abord adepte de la justice. Tu acceptes même d'abord de vivre avec la vérité. Tu acceptes d'abord de vivre avec la vérité. On veut la justice pour ça, mais nous aussi, nous voulons la justice pour Martinez Zoro. Nous attendons toujours. Avec le monde braqué sur l'affaire, ça a donné quoi? Vous allez vous rendre à l'évidence quand? Vous perdez seulement du temps. Vous gagnez du temps en attendant le jour de votre départ. Je pense que c'est ça la réalité. Vous gagnez du temps, c'est tout. Vous ne voulez pas lutter. On veut justice. On qui? La justice est rendue en votre nom. Vous avez mis qui là-bas qui puisse le faire? Les avocats sont pourris.
L'État est pourri. Le ministère est pourri. Tous ceux qui, toute la chaîne là est pourrie. Vous demandez à qui? Et quand nous demandons pour A, nous ne demandons pas pour B. Dans la justice là, c'est pour certains et pas pour d'autres. Au lieu de se battre pour justement rendre les institutions fortes. Travailler au mieux pour que tous les Camerounais soient justiciables. Non, vous êtes assis là. Vous demandez à la mafia de vous rendre justice. Des gens qui veulent la chose et son contraire. Les écancres là disent que oh, rentrez chez vous. Vous ne pouvez pas être chef ailleurs que chez vous. Mais ils disent qu'ils viennent faire des cérémonies ici pour couronner les chefs à 6000 km. Un endroit qui n'est même pas la terre d'un seul de leurs ancêtres. C'est-à-dire qu'aucun n'est enterré là-bas à Strasbourg. Il est chef de qui? Élise Bissot, tu peux me dire? Il est chef de qui? Vous êtes du même village? Où vous avez votre communauté villageoise Facebook? Atobankwa Konolinga? Élise Bissot? Est-ce que Atobankwa est à Konolinga? Il est Yobokolo. Donc, quand vous organisez un truc ici, vous dites que le couronnement du chef Atobankwa, vous êtes tous là. Baissez le son. Vous êtes tous là, vous êtes versés là-bas. Melting Pot. Vous dites que il est chef de quoi? Vous avez constitué votre part de village Facebook. Et c'est lui le chef du village. Voilà donc des personnes qui prennent la chose et son contraire. Il n'y a aucune raison pour qu'Atobankwa soit couronné ici. Si le chef du village qu'il a exercé ça là-bas dans son village comme mon père est chef du village. Il ne le voit pas en train de vivre ici en Beng disant, il est chef du village de qui ici en Beng. Ce qui prévaut ici, c'est la loi française. Toi, quand tu vas m'apporter le droit coutumier, si tu vas passer par quel chemin pour faire prévaloir l'affaire là, si je vais finir par t'amener au tribunal pour maltraitance. Donc vous voulez prendre vos façons de vivre 237, vous voulez déposer ça ici. En violant la loi du coin. Vous les villageois, là, quand vous avez un problème, vous allez devant comment on appelle, vous allez devant le droit coutumier dit par Atobankwa. Et ça prévaut sur le droit français, quelques droits français, que ce soit. Lequel? Si c'est une histoire de commerce, vous appliquez votre droit villageois appliqué par Atobankwa. Et l'affaire est résolue devant la loi française. Naya, mais c'est comment avec vous, non? J'ai pas dit de couper le son. Naya, si tu le refais, je te l'enlève. Je te l'enlève. Ah, si. Et il n'y aura pas de... Si elle ne fonctionne pas, tu prends un autre casque. Si ce casque ne fonctionne pas, tu prends un autre casque. Voilà. Donc, Atobankwa, ta part là, le village là, c'est dans ta tête. J'entends celle de qui, mais c'est terrible, les enfants, ils sont durs d'oreille. J'entends la tablette de qui? Si ça ne fonctionne pas, tu changes de casque. Apporte-moi ton casque ici. Parce que moi, je ne comprends pas cette affaire. Change de casque. Apporte-moi ton casque ici. Apporte aussi la tablette. Apporte les deux. Apporte les deux. Merci. Parce que je ne comprends pas cette histoire-là. Voilà, ça marche. Ah, mais... Voilà. Attends. Tu ne touches plus au son. Mais ce sont les écouteurs de...
faut pas finir sourde. Hein. Wow. C'est la mauvaise femme. Hein. Ah, la famille, moi je ne sais plus dans quelle langue parler. Nous allons faire de notre pays ce que nous voulons. Maintenant, il est impossible, nul n'est tenu. Yeah. Oui, oui, tu peux. Vas-y, j'ai compris maintenant, les écouteurs là ne compressent pas le son. Tu peux, vas-y, mais pourvu que tu n'embêtes pas ta soeur. Je vous prenais la tête pour rien, sans vos appareils qui sont, sans les écouteurs qui sont pas terribles. Non, 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 ils sont venus, hein, mettre les galons à Chef Atebankou ici, hein, à Strasbourg. Et ils disent aux enfants de l'Ouest que, oh, vous ne pouvez pas avoir des maisons communautaires ailleurs qu'à l'Ouest. Oui. Dans notre propre pays, il y en a qui disent que ici, vous ne pouvez pas. Et ils prennent les pieds, tcharap, tcharap, 6000 km. Ils veulent aller faire leur part de tradition là-bas, en terre inconnue. Il y a quelque chose qui tourne définitivement en rond entre, hein, dans nos têtes, hein, et entre nous. Hein? Et ils vont dire que, oh, le colon, vous avez oublié que vous êtes chez le colon. Vous mettez à l'aise chez le colon, tranquillement, tranquille. Vous versez vos chairs là. Hein? Vous allez boire du vin blanc à Strasbourg. Vous allez manger les bretzels. Tranquillement, tranquille. Et vous dites que nous sommes des barantos. Inalmi. À Tebankou, c'est au 237 que tu es chef. On n'a pas besoin de genre de chefferie là ici. On a fini à être pour nous depuis. Ici en France. On a fini à être pour nous depuis là. Les derniers rois, on a qui l'ont les bêtises. Donc, quand tu viens nous dire que tu es chef traditionnel, on l'a absolument. On a fini avec celui qui est à l'Élysée là-bas. Vous commencez aussi à se trimballer les chefs de proximité. Le Cameroun, voilà notre pays. Voilà notre pays. Vous allez vous damner. L'histoire Samy Lenoir, c'est foutu. Qui est crime ou qui n'est pas crime? Vous ne pouvez pas démêler la chose là. Mettez-vous ça bien profond dans la tête. Et ce n'est pas une histoire de mauvaise volonté, c'est que votre base là, elle est foutue. Elle est foutue, c'est comme l'affaire Martinez Zorro. Il faut des personnes sensées dans une société, de personnes majoritairement sensées pour que la justice soit, du moins, pour ce que c'est, aucune justice n'est parfaite. Il faut vouloir, les Camerounais, vous n'aimez pas vivre dans la vérité, donc vous ne pouvez pas avoir, vous ne pouvez pas obtenir justice. La vérité d'abord vous dérange. La vérité vous dérange. Comment est-ce que vous voulez qu'on vous rende justice sans que vous ne soyez en accord avec la vérité? Parce que dès qu'on vous dit la vérité, oh, vous trouvez des raisons pour que la vérité là ne tienne pas. Oh, c'est la haine, oh, c'est la jalousie, et c'est ceci, c'est un fake. Et vous voulez qu'on vous rende justice en partant sur quelle base? Votre part de vérité. Hein? On vit dans vos têtes. Est-ce qu'on vit dans vos têtes? Il y a du boulot. Je pense que tous les pays africains vont se libérer. Le Cameroun sera toujours dans le jus. Oui, oui, oui. Pour nous, là, nous ne sommes pas prêts. Nous n'avons pas. Il n'y a même pas les débuts du commencement. Hein, d'un espoir. Hein, de quelque espoir que ce soit. Quand il s'agit des Camerounais. Non. Parce que les Camerounais aiment l'art de l'évitement, c'est terrible. Dès que nous nous retrouvons face à un problème, vite! On dévie. Consciemment. Consciemment. Quelqu'un te dit que oh, les Américains ne peuvent pas venir faire ceci. Il prend ses pieds 6000 km. Il dit que oh, oh, on va introniser. On va introniser. Vous n'avez pas appelé le pape. Hein? Pour introniser actuellement. Tout ça pour assurer de se manger le vin blanc. À Tebankou, on va aller faire ça, on va aller introniser. Où est donc son... Où est son... Comment on appelle ça? Où est sa chefferie? Bonjour, ma Hélène, comment vas-tu? C'est où à Strasbourg? Sa chefferie est où à Strasbourg? Hein? Voilà un pays, le pays est en train de couler. Le pays est en train de couler, ils sont là dans la démagogie.
Ils sont là dans la démagogie. Vous allez vous réveiller un matin. Hein. Ah, pas les gars qui disent qu'ils bosent là. Vous n'avez pas encore bossa. Remets-vous. Tu vas où? Comment ça, je vais où? Tu as sorti tes vêtements de la machine. J'ai besoin de tourner le linge. Non, pas encore, ma vie. Non, la famille, c'était seulement pour vous dire que je suis là. Hmm? On a bien vu que t'étais là. Libération du peuple par le peuple pour le peuple. Et vous continuez à dire que les autres vous tiennent là. Et où, qui ils ne vous ont même pas encore tenu. Ah, ils vont vous tenir plus que ça. Bonjour, anti-maman. Ils vont vous tenir plus que ça. Parce que vous n'avez pas la volonté de vous libérer. Oui, vous voulez juste mettre un oppresseur à la place d'un autre. Tu veux boire encore de pour nous, les Camerounais, là, j'entends que tel a été viré, qui a été viré, qui a été viré. Et vous parlez de démocratie. Moi, vous avez vu arriver. Hein? Ah, moi, je ne suis pas devant. Hein? Je ne suis pas Laura Kameni. Mais moi, je ne suis pas victime longtemps. Hein? Ah, non, 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 non. Le seul endroit où je peux être victime, c'est avec un divo dans ma vie privée. Mais même pas victime, je n'ai pas accepté de subir pour X raisons. Peut-être parce que je n'ai même pas la force, je n'aime pas le changement donc. Mais dans tout ce que chacun voit venir comme ça à l'horizon, toi et moi ne sommes pas intimement liés, du coup tu m'embrouilles. Tu ne peux pas m'embrouiller si nous ne sommes pas intimement liés. Et quand tu je te laisse même faire quand nous sommes intimement liés, tu laisses m'embrouiller. Mais moi si tu m'embrouilles, je ne te vois pas. Hmm? Ce qui se passe là depuis, moi j'ai vu l'oppression, hein. Et moi je ne suis pas une victime. Hein. Ah non, non, non. Quand je te vois arriver là, je te laisse toute la route, le boulevard, j'enlève mon corps. Et je tire sur la sonnette d'alarme. Donc, les gars qui sont toujours sur votre chemin là, s'ils n'ont pas compris que vous êtes des oppresseurs, c'est leur problème là-bas. Hmm? Moi j'ai annoncé la couleur ici que votre 2025 là, hein, je serai une dure opposante à votre candidature. Je dis ça petit. Je suis subtil. Hein? Ceux qui vivent les gens là, ceux qui ferment la bouche à leurs propres frères là, dans le même ensemble, les gars, il ne faut même pas rêver. Hein. Ma voici. Je vais préférer la donner à un martien que de vous la donner à vous. Oppresseur plus plus. À côté de vous, la Bia, c'est pas un oppresseur, c'est seulement un bon à rien. Non, non, Bia veut qu'on lui colle la paix. Il dit, volez votre part, il vole ma part. Et vous êtes des oppresseurs. Donc, ma part de Cameroun, là, c'est pas de vos mains. Et vous êtes que passé, moi, je m'ai entendu dire que c'est l'heure du dévirement. Sauf que ce ne sont pas les deux que vous virez. C'est vous entrevirez entre vous là-bas. Good luck. Et c'est moi, il fait partie d'une dolée. Et c'est quoi, là, une dolée, là, l'archide, quoi? Non. Chacun va lire le. Quand j'avais commencé à parler, si on m'a dit que, oh, elle n'aime pas, elle n'aime pas, elle n'aime pas. Je suis là pour vous aimer, dis donc. C'est vous qui m'appuyez. C'est moi, je vous appuie. Non, pas besoin de s'aimer. Quand j'avais dit, c'est que ce qui arrive là, si tu étais réfractaire à l'oppression, je ne supporte pas les oppresseurs. Donc quand tu commences à arriver là-bas, comme on dit en Goumba, mais il est nul. Je porte mon corps, je mets ça sur le bas-côté. Je ne suis pas une victime. Et puis ceux qui pensent utiliser les autres, une vieille rombière comme moi, là. Tu apprends ces affaires-là du grimace. Je suis conciliante, mais ça a les limites. À mon âge, c'est là même. J'ai décidé même d'aiguiser mes angles. Là, avant, j'arrondissais. C'était il y a donné trop rond. J'ai décidé de refaire des angles droits. Donc quand tu vas me chercher la Kim, je brandis sur mon angle, tu t'en parles dessus. Bonjour chez chacun. On se tamponne la famille. Continuons à pédaler, à faire des pompes parce que nous ne sommes pas prêts. Moi, je serai toujours là. Hein. C'est ma part de choisir, c'est le choisir. Je serai toujours là. Mais ne vous faites pas d'illusions. Ah non, mais ils sont en train de des doigts dans le nez. Président, les doigts dans le nez. Vous êtes en train de vous embrouiller pour rien. Hein? Vous êtes en train de vous embrouiller pour les doigts dans le nez. Nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Parce que moi, je ne sais pas comment est-ce que le gars là va faire avec ma soeur Hélène. Hein? Je ne sais pas. Déjà, je ne sais pas ce qu'il va faire avec nous déjà. Parce que nous sommes un certain nombre là, dit que c'est pas... Non, 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 c'est pas la monarchie, hein.
On ne laisse pas le fils à la place du père. Nous sommes un certain nombre. Il va faire comment avec ses propres frères qui ne veulent pas qu'il monte, qu'il soit au pouvoir? Il va faire comment avec ceux qui trahissent son père, qui disent aujourd'hui qu'il est hors de question que le père laisse le fils? Il va faire comment avec ma soeur Hélène? Il va faire comment avec les nous autres? Hein? Non, mais nous sommes moi justement assises là, pas moi, à côté de pas moi. Ouais, moi j'ai mes 10 usines de pop-corn là, c'est même pas encore assez. Eh, Mbanou, caca, pardon, dégage de là. Hein? Mbanou, caca, je suis pas responsable de ce que ton cerveau comprend. J'ai dit que ma voix, si, je ne leur donne pas. Point final. Est-ce que c'est un débat? C'est une information. C'est une information. C'est une information. La tuerie n'est pas le pire crime. Bon, le pire crime parce que tu enlèves la vie à quelqu'un. Hein? Mais il y a aussi des crimes qui tuent. Il y a aussi des démarches qui tuent. Au même titre qu'enlever la vie comme ça, de but en blanc à quelqu'un, prendre une arme et finir avec. Hein? Moi, je dis que moi, si là, je ne prends pas un oppresseur pour mettre à la place d'un bon à rien. Pas le genre d'oppression là. Nous avons besoin de discipline, oui. Hein? Mais pas le genre de poula que je vois là. Non. Non. Du tout. Impossible. Les Camerounais ont besoin de fermeté. Mais pas le genre là. Non. Je ne veux pas qu'on se retrouve avec une guerre. Nous risquons déjà beaucoup de guerres. Mais là, si on fait ça, du moins, moi je ne suis pas partante. Après. Moi, je dis ça, je dis rien. S'il y a encore des personnes sensées là-bas, elles peuvent renverser la vapeur. Mais à la lue où moi, je vois partir les choses là, non. À la lue où moi, je vais voir partir les choses là, non, 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 non. Il n'y a aucun espoir dans ça. Il n'y a aucun espoir. Il ne faut même pas. On ne va pas seulement dire que oh, l'opposition, parce que c'est l'opposition. Et tu prends le choléra, la peste, c'est pareil. On ne choisit pas entre le choléra et la peste. On ne va pas dire qu'on va mettre l'opposition, question de dire qu'on a aussi changé, on a lutté. Non. Non. Mais là où vous êtes là maintenant, vous dites qu'il y a un là qui est déjà, c'est il y a sur les rails. Vous êtes là, vous faites quoi? Vous ne faites rien. Vous comptez sur les qui? Vous comptez sur les qui pour que ça ne se passe pas? Ils sont en train de travailler. Ils n'auront même pas besoin de tricher, je vous le redis. Hein. Ils sont en train de travailler la base. Ils sont en train de travailler la proximité. Vous êtes là seulement le bavardage, seulement en train de dire que vous avez viré vos frères. C'est ça qui va vous aider, n'est-ce pas? Il est en train de mettre les personnes dans les... Ils sont en train de mettre vos propres gens dans leur poche. Vous êtes assis là. Mboutnasik. Là, il a dit que nous ne sommes pas nombreux à ne même pas vouloir le début du commencement de vos pouvoirs. Là. On n'en a rien à battre, comme moi. Rien à foutre, je ne suis pas là pour chercher le poste. Donc quand ça sert, je viens crier ici que ça sert. Mais ceux qui n'est pas content, c'est le même tarif. Là où ils sont là, les gars ont déjà bien posé leur jalon. Ils n'ont pas besoin de tricher pour le faire passer. Ils n'ont pas besoin, je vous dis que dans l'état actuel là, ce sont les Khmers eux-mêmes, Roa, qui vont aller le poser là-bas. Vous savez comment ça se passe, non? Ok. Non, les Camerounais n'ont pas besoin de beaucoup pour être achetés. Alors vous êtes assis là. Vous êtes dit ici que le travail, c'est la proximité. Nous voulons des Camerounais conscients. Faisant consciemment des choix. Elle dit qu'un Camerounais qui vote en connaissance de cause, elle dit que si la personne que tu as posée là-bas dérape, tu acceptes. Et aux élections d'après, tu dégages la bêtise. Et quand vous êtes assis là, vous attendez que ça se passe seul. Hey, pardon, laisse-nous ça. Laissez-nous ça, les Camerounais, vraiment, hein, les sous-collègues que nous sommes là. Pardon, laisse-nous ça, dis donc. Dénigrement, il y a fini avec qui? Hein?
Ici, vous savez ce que nous avons déjà dit sur le président Macron et au président Macron. Le gars est toujours tête. Il était lui faire le beau là-bas en Nouvelle-Calédonie ou je ne sais pas où. Hein? Un dénigrement. N'est-ce pas? Vous êtes trop, comment dire? Vous avez une haute opinion de vous. Vous avez tellement une haute opinion de vous que vous travaillez pour être les hommes les plus intègres au monde. Hein? Dénigrement toi-même. Hein? C'est ce que tu dis. Bia gagne hoha. Dis donc, quittez-la. Bia gagne hoha. Oui. Hoha. Sans tricher. Il triche parce que par habitude. Ils n'ont même pas besoin de tricher pour gagner. Et c'est ça qui va vous perdre. Parce que vous êtes convaincu que les gars là, ils sont obligés de tricher. Ils sont pas obligés. Ils trichent par habitude. Ils sont pas obligés de tricher. Vous faites quoi pour les Camerounais pour qu'ils votent pour vous? Le peu d'espoir qu'on avait réussi à activer là. Vous avez fini par mettre ça au sol. Vous avez fini par mettre le peu. Nous sommes réveillés ici pendant combien de longs mois, hein, pour maintenir les Camerounais éveillés. Les gens ont fini par foutre ça au sol. On ne doit pas parler. Elle n'est même pas venue m'énerver. Elle n'est pas venue m'énerver, pardon. Vous qui êtes convaincus, sont eux-mêmes qui sont convaincus, qui sont obligés de tricher. Ils n'ont pas besoin de tricher. Notre population est cuite. Notre population est cuite. Elle dit que les gars ont été bien cuisinés. Ils sont bons à être mangés. On n'a pas besoin de s'embrouiller. Tu n'as pas besoin de venir avec le râteau pour bouffer un Camerounais. Tu viens à la fourchette nyangalement. Tu viens m'avec les doigts, tu tires comme ça vient seul. Hein? Tu tires comme ça vient seul. Tout parti politique a besoin d'une base. Je dis bien base, la base. Ce soit la base qui fait l'électorat, vous êtes là. C'est la base qui va au quartier faire du porte-à-porte. C'est la base qui s'investit. Ce ne sont pas les gens d'en haut, les cadres du parti et tout le toin-toin. Hein? Ce sont les filles qui sont capables d'entrer dans la boue du marché central pour aller dire à une autre femme que voilà. Vous êtes assis là, vous ne foutez rien. Vous pensez que le R a une proximité, hein, qui va être transmise à bébé, hein, à bébé Bia. Le R a une proximité. Hein. Le R a une base, hein, qui est proche des peuples. Hein. Même si c'est la sardine qu'on va leur déposer là-bas, c'est leur niveau. Hein. C'est ceux qu'ils aiment. Et donc, voilà les autres là. Vous dites que vraiment, quand vous voulez mettre de l'énergie quelque part, hein, quand vous voulez mettre de l'énergie quelque part, il faut mesurer ce que vous dépensez, ce que vous gagnez en face. Voici, on rappelle si c'est Solange Bi. Solange Abeille. Bi là, c'est Abeille, non. B, 2, justice pour Samy l'orphelin. Donc, c'est parce qu'il est orphelin qu'il a besoin de plus de justice que quelqu'un qui a son père, qui avait son père et sa mère. Elle soit de ses principes. Hein. Hein? Donc, voilà les personnes là-bas qui disent que. Hein? Comment quelqu'un peut avaler votre enfant? Vous ne faites pas qu'il vomit ça. Il va dormir pour que ça se tranquillise dans son ventre pour qu'il puisse digérer. Zéro digestion. Personne ne va digérer ça. J'ai zéro. Tu ne vas pas digérer ça. Tu vas revomir l'enfant là. Et pour vomir l'enfant là, c'est la vérité que tu vas nous dire. Les histoires de quartier. Peut-être que c'est carré, mon oui. C'est la vérité que tu vas nous vomir ça. Tu vas vomir. On ne te laisse pas dormir. Hey, qui va te laisser dormir? Hein? Qui va te laisser dormir? Je dis qu'on va te faire vomir ça. Tu ne vas pas dormir. Tu vas sortir. Vous croyez qu'ils sont des avocats pourquoi? C'est parce que vous les leaders là, vous les avez à quoi? Bah, non. Vous mes leaders là, non? Vous en commentez là, vous la tuez. Parce que vous savez qu'un bandit n'aime pas qu'on voit qu'il a volé. Donc elle sait que vous avez vu. Et quand elle lit ses commentaires, elle sort ses vidéos-là, elle voit que vous-même, vous partez, vous décortiquez encore les vidéos-là et vous l'expliquez elle-même ce qu'elle a cru qu'elle voulait faire dans vos cerveaux. Donc elle-même, vous lui faites comprendre ce qu'elle a cru en créant cette vidéo, ce qu'elle a cru qu'elle devait faire, donc elle devait vous mentir, vous deviez croire. Elle comprend que vous êtes des gars, que vous êtes des phénomènes, vous êtes des leaders. C'est comme ça. Que vous avez la force de frappe, même en faux profil. Et ça, en faux profil, vous n'êtes pas un être humain. Je vous dis ici que faux profil, c'est un être humain. Et vous avez des. Voilà, voilà
les enfants du 237. Ouais. Voilà la base sur laquelle nous voulons bâtir notre pays. Nous voulons rendre justice avec la vue de nos esprits. Je ne savais pas qu'il y avait encore des procès en sorcellerie. Ouais. Bienvenue à Salem. C'est, elle a vendu. Non. Il faut... Entendez-vous, hein? C'est une histoire de sorcellerie ou bien c'est une histoire de d'amant qui a mal tourné. C'est une histoire de Mougli qui a mal tourné ou bien c'est une histoire de sorcellerie. Parce qu'il y en a qui disent que Karine Mungwe a vendu au Moukouagne. D'autres qui disent que ah, c'est affaire aller taper d'eau qui a fini avec Samy Lenoir. Non, il faut me dire, parce que moi, je ne comprends pas. Parce que pour commencer le procès, là, nous devons quand même fixer les bases. Hein. Procès en sorcellerie ou bien crime passionnel. Crime passionnel ou sorcellerie. Parce que moi, j'ai besoin de savoir. Pour engager une procédure. Ou des procédures. Waouh, les enfants du 237. Karine Mungwe, cette fois, je ne la connais pas. Je ne suis même pas sûre que jusqu'à présent, elle puisse la reconnaître sur trois photos. Mais cette femme-là, elle a fait quoi? Elle a fait quoi dans ce pays-là pour que d'autres femmes aient son macabre comme ça? Hein? Bon, je suis contre le Jansang, hein? Ça, c'est clair. Et nous sommes assez grands pour faire ou ne pas faire. La promotion du Jansang, non. Mais après, si le Cameroun accepte la chose, pour moi, quoi là-dedans? Mais elle ne vend pas que le Jansang d'ailleurs. Elle ne vend pas que le Jansang. Vous lui faites un procès pourquoi? Vous lui faites un procès comme, pourquoi? Je ne comprends pas. Là, je vous promets que l'affaire Samy Lenoir m'a. Je ne sais pas. Je crois que mon cerveau n'a pas encore accepté. Je me suis rendu compte que beaucoup de personnes se sont trompées de clocher. Oui, beaucoup de personnes se sont trompées de clocher. Moi, que vous voyez, c'est l'histoire de la sœur du village. Je ne connais pas le fonctionnement, je ne connais pas. Je ne connais pas l'histoire de « c'est parce que c'est un fan que je vais poser un acte ». Où est la relation cause à effet? Le fait que nous soyons ressortissants du même point. Et après tout, c'est ce qu'on nous dit. C'est ce que nos parents nous disent. C'est ce que certaines personnes nous disent, que nous sommes tous ressortissants. Qui a même su que son père est ici dehors? Dans l'histoire de regroupement des villageois là, moi je ne suis pas là. Ça ne me prendra jamais parce que je n'ai jamais été, j'ai pas été. Je ne dis pas que dans ma famille, il n'y a pas de petits villageois là, repli, et même repli d'identité chez nous-mêmes là, vraiment. Non. Certains vont aussi dire, comme d'autres là, que qu'est-ce que tu fais dans les affaires des Bamlékés? Mais le repli d'identité, vous pouvez vivre dans une ville, tu cherches le Ngumba comme ça, la torche, tu ne vois pas. Bonjour, Mamino. Je vous dis que vous pouvez vivre dans tout un quartier, vous êtes les seuls Ngumba. Vous allez alors faire le repli d'identité avec qui non? Et nous ne sommes pas du genre à nous laisser marcher sur les pieds. Nos frères Boulon ont essayé, au sein de l'église, on leur a dit que, hey, pardon, restez avec votre part là, faites votre messe en Boulou, votre culte en Boulou, nous irons faire en Ngumba. Hein? Donc, l'histoire là, on ne peut pas me vivre dans l'histoire des frères du village. Non, mais jamais ne même. En fait, pas partir mon logiciel, je sais que ça se passe où? Le frère du village, moi, Bibian. Même frère, les descendants de mon arrière-grand-père, là. Tu fais comme là, il te dépose au carrefour, mon petit. Te dépose. Donc, à fortiori, quelqu'un connaît ni d'Adam, parce que la personne parle la même langue que moi, ou bien a un nom à consonance. Non. Je suis celle qui, c'est-à-dire, qui met à mal toutes vos théories de personnes alambiquées là. Non. Quand vous faites vos équations là, comptez avec moi. Hein, parce que moi, je fausse tout. Hein. Je fausse tout. Même mes frères, Farmeti Boulou là-bas, n'arrivent même plus à me traiter de traître. Vous avez dit que traître. Parce que vous savez que je fais aussi vos affaires. Je maintiens l'équilibre. Et je ne triche pas quand je maintiens l'équilibre. Hein.
Si vous voulez chasser les soi-disant halogènes de Yaoundé, vous nous chassez tous. Je dis tous. Parce que même le boulot n'est pas chez lui à Yaoundé. Le boulot n'est pas chez lui à Yaoundé. Beaucoup de Yaoundé ne sont pas chez eux. Les étonnes ne sont pas chez eux à Yaoundé. Il y a les mvores qui sont de Yaoundé. Le reste là, vous n'êtes pas. Donc, c'est quand vous dites que chacun chez soi. Ce n'est pas une histoire de groupe tribal. Non, non, non. C'est que le village qui a vu naître tes ancêtres, là où sont les carcasses de tes ancêtres, c'est là-bas, le chez toi. Sinon, on est mal. Les Bassa vont faire comment? Ils vont se fragmenter sur trois régions. Parce qu'ils sont sur trois, quatre même, si vous rajoutez le Nozo. Hein. Le Zo. Il y a les Bassa du Nozo. Il y a les Bassa du Sud, il y a les Bassa du Littoral, il y a les Bassa du Centre. On fait comment avec eux? Pour ceux qui parlent de... On découpe ça comment? On fait des îlots. Ceux qui parlent de repli identitaire, on fait des îlots. On prend un petit quartier ici dans le doigt là. On dit que vous là, hein, vous faites un ensemble avec les Bassa du littoral à partir de quoi là? De Pouma, de qui? Hein, pour s'arrêter là-bas à l'entrée de Yaoundé. On coupe les molons, on jette là-bas. On va faire ça comment? On va ramasser ceux qui sont là-bas à Bipindi. On va faire ça comment? On va suspendre les morceaux de terrain là. Quand il va falloir que les Bassa de Douala, pour rencontrer ceux de Yaoundé, passent par d'autres villages, Bakoko et tout ça, vous allez faire ça comment? Donc pour ceux qui comptent sur le repli identitaire là, pardon, excusez-moi, et soit dit en passant, vous n'êtes pas plus faire un petit boulot que moi. Je vous dis que je suis les quand même. Mon père est gardien des traditions. Donc ceux qui disent souvent que les bêtis, les fans, les bêtis, les boulots. Moi, je ne suis pas bêtis par procuration. Hein. Non. Je ne le suis pas de par mon sang. Et pour ceux qui parlent de chefferie là, je suis la fille du chef. Et ça ne me monte pas à la tête. Je n'ai pas les bêtises, dis donc. Nous vivons dans une république. Donc, pour les pambetis, pour le là qui comptent sur le repli identitaire, vous comptez sur quels enfants? Parce que même les dirigeants, là, beaucoup de leurs enfants ne sont pas dans la chose. Hein. Il y a des enfants qui ne parlent plus à leurs parents, de par leur façon de faire. Nous voulons sortir, vous voulez entrer. Faisons chasser, croiser, on vous les laisse. On vous les laisse. On va voir si l'argent là peut même vous sauver. Leur argent là, ils donnent ça à qui, ils font quoi avec? Ils font quoi? Il y a des enfants, des ministres qui sont abandonnés ici dehors. Qui triment. Vous êtes assis là. Vous comptez sur le repli identitaire avec les Baki. On vous a dit que nous avons tous bu de ce lait là. Nous avons tous perdu la raison. Et le repli identitaire, l'ethnie habite où? L'ethnie habite où? C'est une histoire de personne. C'est tout. L'ennemi n'a rien à voir là-dedans. Donc, votre repli identitaire, là, c'est pour vous là-bas. Elle ne va pas vous sauver. Hein? Elle ne va pas vous sauver. Moi, je suis là pour fausser vos équations. Quand vous dites que oh, les Bamileke, ils me retrouvent dedans, je dis que dites-moi alors, où est mon père Kamga? Hein? Où est mon père Tchakounte? Parce que je sache, mon papa de père s'appelle Ngandongo. Hein? Hein? Il n'a pas plus fan que ça. Ngang. Ndongo. Donc, quand vous vous retrouvez dans vos histoires de le frère, la soeur du village, moi je suis souvent assise là comme ça. Hein. Comme vraiment la mafia, dans la cour, la reine mère dans la cour, à côté de mon frère Moyo. Je vous regarde faire. J'attends que tout le monde se vautre. Quand vous dites que tout le monde, les halogènes n'ont pas à dire leur mot en territoire ou inconnu ou quoi. Vous vous adressez à nous tous. Mélangez, nous tous. Parce que si c'est une histoire de village, un Vorada ne va pas aller faire le malin à Mukolo. Un Etoudou ne va pas venir faire le malin à Vorata Nimbala. Parce que c'était ça le Cameroun, des morceaux de machin là. Et ils étaient très souvent, ils se tapaient même dessus. Il y avait souvent des guerres entre tous ces clans-là. On dit bien les Vaux, on dit bien les Lox, ceci. C'est bien qu'il y avait une fracture quelque part. C'est bien qu'il y avait une fracture quelque part. Donc quand vous ouvrez vos bouches là, les Ewondo du Sud viennent dire que oh,
les Bamlékés doivent partir de Yaoundé. Vous regardez comme ça, ils disent que toi-même là, ils vont du sud, tu es chez toi Yaoundé. Montre-moi la tombe, les tombes de tes ancêtres, on règle ça. Hein? On règle ça. Quand vous allez donc chasser tout le monde, nous allons en bas, on casse les maisons, on laisse Yaoundé pur jus. Avec les petites populations qu'il y avait là avant, nous allons voir si ça va ressembler à quelque chose. Si ce ne sera pas exactement comme... Même le Lodolf est bien. Hmm? Ça veut dire que ne te laisse pas ma maison, mon petit. Te laisse ma maison, pourquoi? Le fruit du dur labeur de mes ancêtres à moi. Non, vous voulez récupérer vos villages, il n'y a pas de souci. Nous rendons à la nature ses droits. Ça veut dire que forêt, j'ai trouvé. Forêt, je laisse. C'est aussi simple que ça. Oh, chacun doit aller développer le chez lui. Si le triangle là n'est pas nous tous, c'est que les pays n'ont pas lieu d'être. C'est que les pays, nous nous redevons donc de gros villageois. Chacun garde son petit clan avec ses deux petits hectares d'origine. Parce que vous pensez que vos villages étaient plus grands que des mouchoirs de poche avant que les Occidentaux là, nous viennent mélanger les morceaux là. Avant que les Camerounais eux-mêmes, du moins les habitants, n'acceptent faire une entité. Hmm. Est-ce que vous pensez que ça s'est fait seul? Quand les Mbala, les Njoya et tout là, ils rencontraient les autres, ils avaient accepté de vivre ensemble. Sinon, les gars, ils ne se seraient pas mélangés. Ils auraient donné la mal à la tête aux Blancs. Pour preuve, nos frères du Nozo, ils étaient à gauche, ils ont décidé de revenir à droite, non? Et d'autres sont même restés de l'autre côté. Le Cameroun à l'origine, c'était pas ce tracé. Les choses se sont constituées. Donc quand les petits aigris, là, les petits fainéants là, viennent dire aujourd'hui que oh, les Bamlékés doivent rentrer chez eux, vous regardez comme ça, ils disent, yeah, petit, les Bamlékés doivent rentrer chez nous, nous tous, nous allons les suivre. Nous, on va rester faire quoi ici? Parce que quand vous allez finir avec les Bamlékés, ce sont d'autres, soi-disant, allogènes qui vont être votre problème. Eh oui. Le traitement que vous voulez réserver à une partie de la population, là, une fois que vous allez, soi-disant, régler le problème, vous allez vous acharner sur d'autres personnes parce que c'est votre comme ça. C'est votre comme ça. Demain, vous allez dire que oh, ce sont les Douala qui doivent rentrer chez eux. Ce sont les Bassa qui doivent rentrer chez eux. C'est le reste du Cameroun même qui doit rentrer. Parce que vous dites que là où nous sommes à Yaoundé, là, soit on nous donne notre papier là, que c'est le titre, c'est pour vous là. Soit nous on gâte tout. On fout ça au sol. On vous dit que restez bâti. On ne vous laisse rien debout. Parce que là où nous sommes là, nous n'avons pas acheté le terrain. C'est le terrain du Cameroun. C'est notre terrain. Il y a beaucoup de personnes qui ont viabilisé des bouts de terrain. À Douala, il y a des personnes qui ont comblé les marécages. Elle dit que les Douala eux-mêmes étaient là. Ils ne foulaient pas les marécages là. La mangrove, les gars ne géraient pas ça. Les Camerounais sont arrivés là. Ils ont mis leurs petits dollars. Ils ont comblé. Ils ont mis de la terre. Ils ont rendu habitable, du moins, au minimum, la chose. Et il y a des Douala qui viennent dire aujourd'hui que sont les cas. C'était là, ça pourrissait, non? Ça sentait la vase, non? C'était inhabitable, non? Vous faites ça à qui? Vous pensez que tout le monde est tombé dans la folie des camères, de certains camères là? Vous mentez, dis donc. Vous êtes devant nous travailler. Nous sommes nombreux, hein? Nous sommes nombreux. Si vous dites au Bamlékés de partir de Yaoundé, nous tous là, on go. Avec nos maisons. Moi, je suis capable de foutre le feu à ma baraque, il n'y a pas de souci. Moi, je ne suis pas attaché au matériel, mais ne te la laisse pas. J'ai vu mon grand-père bâtir brique par brique, pas les Bakuba Jonah. Pas les Bakuba Jonah. On dit qu'on a vu construire une maison. J'ai vu mes oncles se frapper. Vous savez, vous avez vu l'effet du ciment sur les doigts. Vous avez vu l'effet du ciment quand tu travailles le ciment. J'ai vu mes oncles. Ah, Seigneur. J'ai vu comment on tamise la latérite. On enlève les pierres là. Les cailloux qu'il y a dedans avec les trous comme ça. La latérite, là, on tamise pour faire les parpaings de terre avec. Et vous allez me dire là que vous allez arriver dans un quartier, vous allez chasser les Bamlékés, vous allez laisser les autres. C'est ça la justice. Quand il dit que vous n'êtes pas prêt de vivre avec la vérité et vous demandez justice à qui? Hein? Vous demandez justice à qui? Ne parlons même pas du métissage. Hein? Ne parlons même pas des enfants qui sont issus de 32, des quatre communautés en même temps. Vous allez dire que les Bamlékés doivent rester chez eux.
S'ils laissent même les immeubles là, c'est nous qui allons brûler ça, dis donc. On vous laisse votre Yaoundé. On va voir à quoi ça va ressembler. On va voir. C'est comme vous pensez que nous ne pouvons pas développer un autre no man's land là. C'est-à-dire que nous allons quelque part là-bas dans la région de la Dama où il n'y a même pas un rang, on dépose une capitale là-bas et rien ne fait. Avant que Yaoundé là ne soit une capitale, c'était quelque chose, ça ressemblait à Petit Paris, n'est-ce pas? Minalmi. Vous allez sauf que vivre avec la réalité. Attendant d'abord voir comment est-ce que le fils de Nkunkuma va devenir président dans ce pays-là et les Camerounais restent unanimes sur le fait que ce soit lui. Attendons, ouais, chaque chose a son temps. Hein? Attendons voir comment est-ce que les adeptes de l'ancien roi, du roi sortant, vont être contents du fait qu'il y a un nouveau roi avec sa cour. Ouais, parce que les pompes, dis donc. Hein? Et soit dit en passant, ce mangue, pour aller chez lui, quand il passe par l'Olodof, là, il traverse le chez moi. Vous avez dit que nous allons faire les autoblocages. Nous allons faire des autoblocages. Vous qui aimez à dire que rentrez chez vous là, vous oubliez que nous autres là dans le sud là, pour la plupart, nous sommes enclavés. Vous avez dit que pour aller ailleurs, tu passes devant le village de quelqu'un. Hein. Tu passes devant le village d'une autre ethnie. Oh. Je n'ai pas dit que devant le cousin. Une autre ethnie. Donc, ce mangue qui est Ewondo là, passe devant mon village. Je dis bien, je ne suis pas Ewondo. Hein. Ma mère, du moins, n'est pas Ewondo. Hein? Pour partir de Mvenge là-bas. Hein? Sauf s'il va trouver, il va creuser un autre trou. Mais tu vas trouver un autre village en Mkumba quelque part. Enclavé. Et même ce sont les fangs. Vous êtes sûr que les fangs ont la même démarche que toi. Même ce sont les boulots. Même ce sont les Ntoumou. Donc, quand Céline Meng raconte sa vie, là, je l'appelle. Elle dit que mon petit, tu es un Toumou là, tu es là à côté des Ngumba. Tu es sûr que les Ngumba vont accepter ta bêtise là. Les Ngumba t'ont donné. Quand tu parlais de la vallée d'un thème, là, tu es seul dans la vallée d'un thème là. Tu penses que nos frères pygmées là vont te donner le lait. Et la forêt appartient à... Les pygmées eux-mêmes ne donnent pas mal à la tête aux gens. Les pygmées eux-mêmes abandonnent les terres selon le fait qu'ils bougent. Dès qu'il y a un deuil, ils perdent quelqu'un ici, ils abandonnent les huttes et tout, ils vont se mettre ailleurs. Eux-mêmes ne font pas de cette terre-là. Eux qui sont les premiers occupants ne font pas de ça leur propriété. Hein? Nous qui sommes venus percer le Cameroun là, venant d'ailleurs, nous venons dire là que nous sommes les allogènes. Nous sommes les allogènes. Nous-mêmes, Ngumba, là, je parle de moi-même. Parce que ma mère, Ngumba, c'est mon père qui est fan. Hein? Les fans sont venus pousser à l'intérieur du pays, les Ngumba. Donc, vous êtes arrivés dans ce Cameroun-là après nous. Pourtant, nous ne sommes pas les plus nombreux. Pardon, m'avait dormi, moi, ma chose. De toute façon, hein, il y a des résistants dans ce pays-là. Vous montez, vous descendez. Rien ne sera plus jamais comme avant. Même si ça doit prendre 10 ans encore, 100 ans. Même si ça doit encore prendre 5 siècles. Il y en a qui vous attendent au carrefour. Le but est de diluer la bêtise. Oui. Il y a des choses qui ne tiennent pas la route. Quand vous parlez d'allogène, tout le monde est l'allogène de quelqu'un. Donc quand vous dites que oh, les Bamlékés doivent partir, tous les allogènes doivent partir, on vous laisse votre superficie là comme ça, vide, sans personne dedans. Ce sont les êtres humains qui font la richesse d'un coin. Si vous êtes deux, trois pèlerins et puis vous finir. Vous allez foutre quoi de cet espace-là? D'ailleurs, il y a quelle richesse même là-bas, Yaoundé là. Bon, apparemment, il y a du diamant. Mais sauf que les gars, on y a creusé. Hein. Peut-être qu'ils ont bien fini d'exploiter les filons. Il paraît qu'il y a des diamants là-bas chez les Étoulis. Vous voyez seulement un seul. Il paraît qu'il y a des diamants là-bas, les Étoulis. Les Étoulis eux-mêmes sont pauvres comme les souris de l'église. Bien, parle pas, dis donc. Je dois bien dormir là parce que mes fils et moi, ma fille et moi allons sortir tout à l'heure. Nous irons au parc. Allez, la famille. Mes frères Bamlékés vous disent que pour nous chasser de Yaoundé là ou de Douala là, il faudra qu'ils se réveillent tôt. Il faudra qu'ils se réveillent tôt. Ça va être un mélangement terrible. Ça va se jouer au sol. Même s'il faut partir, on met tout ça au sol. Ils vont rester construits. Si vous partez, vous laissez ça debout.
Nous, on va mettre au sol avant de partir. Le dernier va fermer la porte, éteindre la lumière, jeter la clé. Eh oui, oui, oui. On ne peut pas passer le temps à vivre là comme des profiteurs. Les autres finissent de travailler. Après, vous venez dire que oh, si vous êtes pauvres, c'est de leur faute. Nous avons tous la pince, n'est-ce pas? La capacité de faire un cerveau. S'il y en a qui ont décidé de se casser les doigts et de bouffer leur cervelle, ça c'est leur problème. Allez, on se tamponne demain. Mais demain, je vais essayer de faire la matinale. Continuer à jouer au fuyard en avant. Nous allons voir comment est-ce que votre pays va se redresser. Et la famille. Ciao, ciao. À plus tard. Peut-être que je vais lancer une petite vidéo tout à l'heure quand je serai au parc. Hein? Pour que ceux qui disent que venez faire ça ici au Cameroun, on voit. Voyez un peu à quoi ressemblent nos vies. Nous sommes en vacances, regardez. Tranquillement, tranquille. Un mois. Ça fait longtemps, Emma. Hein? Le cake, ça fait longtemps que je t'ai pas vu, ma. C'est comment? Comment vas-tu? Nous sommes en vacances. Un mois de congé payé. Et rien ne fait. Et ça chauffe pas. Ah, tu es là. Couché. Il est seulement glissé là comme ça, il dort. Allez la famille, bel après-midi à nous tous. On se tamponne. Ciao, ciao.